Non, mais enfin. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Bonjour, tout. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de m'expliquer? J'ai même pas d'effet. Enfin, je suis un animal, j'avais oublié cette. En fait, j'avais oublié cet élément du décor avant le stream. Je viens de m'en rappeler. Et j'ai me demandé où est-ce que j'allais le mettre si la lumière est là. J'ai pourtant mis littéralement au minimum. Mais vous ne verrez pas cette petite chose si je ne la mets pas correctement, quoi. Ça rend bien, ouais, le chapeau, dis donc, hein. Vous surkiffez le chapeau. Chapeau diff. Eh non, mais le fantôme, vous le voyez là. C'est nickel. Bon, comment vous allez? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le petit stream du lundi. Le lundi horreur, le lundi Halloween, mesdames et messieurs, bien évidemment. Un costume qu'on n'assume pas, d'accord? Un costume qui n'a pas été actualisé depuis quelques temps, c'est-à-dire depuis le début du stream. Nous avons acheté ce masque pour une raison que j'ai totalement oubliée. Et le chapeau pour le Halloween de l'année dernière. D'accord? Donc à partir de là, les amis, je pense qu'on peut se dire qu'on peut totalement zapper la partie où on arrivait à faire des trucs à Halloween. Mais aujourd'hui, c'est Halloween, c'est bien sympathique. Volet entièrement fermé. Petite lumière pour que vous puissiez quand même voir ma tête, on sait jamais, hein. Le fantôme en décoration. Évidemment, le costume. Et évidemment, des jeux, les amis, il y en a deux. Deux jeux, parce que je ne peux pas tourner sur un seul jeu sans m'ennuyer moi-même au bout d'un moment. Mais également un deuxième jeu, puisque Pokémon c'est cool et que j'ai pas forcément envie d'arrêter Pokémon Réunion. Mais le premier, les amis, le premier va être Resident Evil, le 1, qu'on a commencé il y a quelques temps. Et on va déjà changer. Voilà, merci à tous. On repart du début pour à peu près trois raisons. La première, c'est que. Ceux qui ont suivi le début du stream de Resident Evil, vous savez. Oh, ça fait un œil dans les ténèbres, c'est badass, je suis badass comme ça. Et donc, ceux qui ont suivi le début du stream de Resident Evil, vous savez que le nombre de sauvegardes est limité. À mon rythme, à moi, c'est pas possible. On peut pas avoir un jeu avec des sauvegardes limitées, puisque mon rythme à moi est un rythme où je tourne à environ. Tranche de 2 heures de stream en fait. S'il y a 15 sauvegardes, ça veut dire que je dois faire 15 fois 2, 30 heures. Si en 30 heures je ne termine pas le jeu, par exemple, c'est finito. Donc il faut qu'on change de mode de difficulté, malheureusement, juste pour les sauvegardes. Seulement, ça me permet de venir sur le deuxième point. Le gameplay est vachement compliqué pour viser. Là, on est sur un jeu qui est quand même relativement ancien. Donc c'est compliqué de viser avec. Donc les amis, bien évidemment, nous allons partir sur Resident Evil en mode facile pour. La sauvegarde et les visées. Mais, comme nous avons déjà commencé une save, et qu'on doit recommencer, on va changer de personnage, ce qui nous permettra du coup de prendre Jill à la place de Chris. Voilà. Voilà pourquoi on recommence du début. Et évidemment, cette série sera sur YouTube. Donc YouTube, vous commencez avec le 31 d'Halloween. YouTube, c'est pas moi, c'est d'habitude. YouTube, je suis pas déguisé en stream. Venez. Je suis pas méchant, moi je ne mords pas les gens, je les découpe et je les mets dans une casserole que je donne aux petits-enfants à Halloween. Bref, voilà. Et évidemment, après on fera Pokémon, bien évidemment les amis, puisque nous sommes à l'avant-ville, la ville de l'horreur. Et que Pokémon Réunion c'est cool et que Pokémon Réunion mérite son petit passage, bien évidemment. Mais Resident Evil, il faut savoir que ça sortira après Pokémon Réunion sur la chaîne principale. Étant donné qu'on n'a pas encore sorti Mario et Harry Potter. Vous pouvez être quasiment sûr que Resident Evil sera au minimum en 2023 sur la chaîne principale. Ce qui est quasiment sûr, parce qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de vidéos Pokémon Réunion, qu'elles ne sont même pas montées. Laissez-moi un petit peu de temps, ça va arriver, vous inquiétez pas. Du coup, ce que je propose, les amis. Ah ouais, d'accord. Évidemment, pour ceux qui ne reconnaissent pas le petit dessin qui se trouve. Ah, je me spoil carrément, mais faut que je fasse ça, moi.
Ça va être chaud d'affronter ça. Hein. On n'est pas ensemble là. Hein. Et ouais, donc du coup, les amis, par ici, se trouve Ada, version Resident Evil 8, qu'elle n'est jamais sortie dans. Elle est restée dans les splatters, dans les petits dessins. Et donc, elle n'est jamais sortie, simplement, du jeu. Elle n'est jamais dans le jeu, mais sachez qu'il y a eu des arts. Donc, j'ai appris les arts et je les ai refait un petit peu sur Illustrator. Voilà mon petit. Mon petit flex, c'est Ada. Voilà. Voilà. Qui nous suivra du coup tout le long des 9 Resident Evil que nous ferons ici, les amis. Parce qu'évidemment, le but, c'est qu'en stream, à la fin, on ait fait absolument tous les Resident Evil. C'est ça qu'on commence par le premier. On ne commencera pas par le 0, puisque le 0 est encore moins jouable que le premier. Mais voilà. Alors déjà, les options. Non, l'arche, c'est bien, frérot. Bon, les commandes, on va éviter d'y toucher. Luminosité, c'est bien ça, au maximum. Hein. Je me connais bien. Hein. La musique, elle est coupée. Ouais, ok. Les effets sont laissés. C'est bien, je me suis bien occupé de tout ça, frérot. Sous-titres en français. C'est nickel. J'ai touché à tout ce qu'il fallait. Oh non, je vais continuer. Ok, nouveau, les amis. Continuer, c'est pas le bon truc, hein, vous le savez. Alors, affichage, commande, sous-titres. Question. Vous jouez pour le plaisir, bien évidemment, on va être casual, les amis. Puisque casual ne demande aucune sauvegarde. Et nous prenons juste Jill, juste parce que c'est cool. Et comment ça permettra de changer de personnage pour éviter les doublons, que ce soit pour moi ou pour vos visionnages. Mais de toute façon, du principal, vous n'avez pas encore vu, je crois, Resident Evil. Peut-être que je sais, non, parce que les rediffs ont été mises sur la chaîne principale. Non, chaîne secondaire, du moins, pour les rediffs de stream. Donc. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are Je vous laisse searching profiter des for the helicopter of our cinématiques. compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. Moi, je fais beaucoup d'humour pour ne pas stresser. Donc, si je lâche des blagues, vous étonnez pas. C'est que plus je lâche de blagues, plus je suis stressé dans ce jeu-là. Hein. Alors, savoir que mon degré de peur est très bas. Donc, je peux très bien flipper pour rien. S'il vous plaît, ne soyez pas étonné et surpris de ce qui peut arriver. Évidemment, je me souviens du début. Je vais pas flipper pour rien quand même. Allez, frérot. Il y a tout un truc sur la gueule. Voilà. Elle est paralysée. Hey, Brad!
us this way. Pourquoi elle me jette des lunettes de soleil dans la nuit là? Non, je sais que M. Wesker est connu pour ses lunettes de soleil, mais il fait nuit quand même là, frérot. T'as pas l'impression d'exagérer un peu? Tenter de survivre dans un monde d'épouvante. On fait peu trop le malin à mon goût, on va vite fermer notre gueule, nous, hein. Moi je vous le dis. Moi je vous le dis, les amis. On va vite la fermer. Three stars members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. On a perdu Chris. Bah, en même temps, on avait perdu Jill, hein, qu'on avait pris Chris, donc c'est pas très étonnant. What is this place? Elle a changé le béret contre la casquette en courant. That's for sure. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. Il a dit je vais avec elle? You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Attends, j'ai un mec avec moi? Mais attends, mais avec Chris, j'avais personne! Mais c'est pas juste! C'est dégueulasse, moi je dis. A dining room. Excuse-moi la Switch, t'as quelque chose à dire sur la cinématique? Alors, bon du coup on a autant de sauvegarde qu'on veut, mais... Ah, on a quand même ça. Mais je croyais qu'on avait autant de sauvegarde qu'on voulait. Je m'étais renseigné et tout. Peut-être que j'en ai plus. Bah c'est pas grave, on a quand même besoin de plus. On va pas sauvegarder tout de suite. Hein. Je dis quand on est streamer, enfin moi je trouve qu'à mon rythme, moi je peux pas jouer à un jeu qui dépend d'un nombre de sauvegardes en fait. Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Je crois qu'il parle de ça, ouais voilà, du tableau. Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent, l'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine d'un chevalier, tandis que la longue épée attrape la tête de l'autre. Alors, faut sûrement faire un truc avec peut-être les aiguilles, non? On n'avait pas fini cette salle-là en tout à la fouiller en vrai. Hein. Je sais plus comment on ouvre la map, je ne sais plus comment on joue à ce jeu, c'est déjà fini. I think you'd better take a look at this. What is it? C'est du sang. Blood. Merci Barry. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Examiner. Ok. Il y a la porte. La porte, on se souvient tous que c'est la fin, je pense. Hein. Donc là, en gros, ils ont dit que les bords étaient allumés parce qu'ils ont souvent servi à l'enlever et à le remettre. Puisque nous savons que les emblèmes se déplacent dans tout le manoir, hein. Je vous rappelle. Où est la carte? Ok, il y a une machine à écrire ici, là, ils ont dit. Ici, encore un truc à faire apparemment. Le but c'est d'essayer d'avoir le maximum de choses. Hein. Mais il n'y en a pas autant de sauvegardes que vous voulez. Genre là en fait mon seul argument pour recommencer le plus flagrant c'est ça quoi.
Parce qu'on avait vraiment autant de sauvegardes qu'on voulait, quoi. Même d'une armure, j'en souviendrai jamais. Hein. L'emblème d'une épée. Vous savez que quand j'aurai des clés, on va ouvrir les portes une par une. Hein. Putain, on va devoir toutes les retenter. Hein. Depuis l'autre côté. Ça, c'est là d'où je viens. Là, il y a une cinématique normalement. On a intérêt à se rappeler comment on vise, les amis. Hein. Bah non, Jill ne se souvient plus comment on vise, les amis. Ah là, faut viser. Je vous jure que je suis un animal quand je vise là. C'est quoi cette merde? On souffle très fort. Hein. Ok, normalement il y a la mare de sang, c'est qu'il est mort, je crois. Pas bon pour nous, ça, les gars. Hein. Barry? Flash? Flash, reviens mon allié là, quelques secondes là, frérot. J'ai besoin de mon pote là. J'ai besoin d'un petit soutien émotionnel là. Barry, what is it? Look out, it's a monster. Let me take care of it. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. T'es avec moi, frérot? Nous voulons informer Wesker. Ah, d'accord. On peut pas fouiller la maison avec notre pote derrière nous, quoi. On entend un bruit de zombie, là? Oh, frérot. Je me rappelle qu'il avait disparu chez nous, hein, dans l'autre save. Wesker! Jill, help me look for him, but let's not leave this hall. Good idea. Pas la peine de vous rappeler ce qui se passe quand on ouvre les portes. Hein, ça c'est ce qu'on appelle la mort assurée. On n'est pas aussi con. Inspectez le hall. Qu'est-ce que tu veux qu'on inspecte? Un tableau dans un immense cadre, la peinture est sèche et craquelée.
La toile a bien été conservée, les personnages ont gardé leur éclat d'origine. Je vois pas trop ce que tu veux inspecter dans le hall, Barry, là. Je veux dire, Barry, on... D'accord, ok, déjà une cinématique, on va faire juste monter, quoi. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. Non. I'll investigate the dining room again. Mais vraiment, mes frérots. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. C'est quoi? Crochet de serrurier. Ok. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Ok. En fait, le binôme, on l'a pas très longtemps, quoi. Moi, je me dis, en fait, on a eu un mec. Je me dis, bon, bah, le mec, on va l'avoir bah, longtemps. En fait, pas du tout. C'est quelle cette pièce-là déjà? Ah oui, avec les tableaux qui semblent nous suivre et tout. Avec la carte à prendre, ok, je m'en souviens. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Pas d'inquiétude, c'est normal les amis. Je me souviens de la strat. Je suis pas encore trop con, rassurez-vous. Mais Jill. Oui, monsieur. Ok, alors ça c'est le rez-de-chaussée. Et c'est là où lequel nous a dit ouais, on ferait mieux de rester dans le rez-de-chaussée. Alors, du coup, faut qu'on reste ici. Alors, techniquement, il y avait une porte après les zombies qu'on n'a pas fouillée. Ça c'est fermé, tout est fermé. Oh. Oui, on prend le couteau, monsieur. ZL. Ça marche. Quoi? Ah, le fils de pute! Non, ça va. En vrai, j'ai le couteau, du coup, on s'en fout. Le couteau, c'est un one-shot, non? C'est un one-shot, le couteau. ZL, ZL. C'est un one-shot, le couteau. Mais du coup, je l'ai plus. Ah, mais enfin, dans cet espace-là, j'ai pas le choix, je pense. Hein. Pas prévu. Ah, alors ça, monsieur, c'était pas prévu en fait. Comment on vise? Ok, on tire avec ça. Il va se relever. Il va se relever. Non, c'est bon, il pisse le sang. Ma vie est normale, mais j'ai déjà plus que 8 balles de flingue, quoi. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la partie que je viens de faire vient de me coûter de la vie et des balles. Et que moi, je n'en tire rien. Très bien. Eh bien, merci le jeu. Je pense que claquer une première save me semble pas dégueulasse.
On va écraser celle-là, parce que celle-là, on n'y en jouera plus. J'en ai encore? Ah mais j'en ai 5 de base. Ah ça me met plutôt bien en vrai. Il faisait pas être là Barry? Et Barry, t'avais dit que tu fouillais la salle à manger Barry. Où es-tu Barry? Une sinistre représentation du manoir orne le mur. Et la porte s'ouvre. J'ai un mauvais souvenir dans cet endroit-là. C'est très silencieux. Il y a des plantes là-bas. Mais les plantes, ça va mal finir, je me perds. Je peux avoir une vue sur le zombie, s'il te plaît? Prends ton temps pour viser, il est par terre. Oui, frérot, t'es mort. Peut-être qu'il est mort. T'es vraiment mort, frérot? En fait, là, c'est même pas de la peur du jeu, c'est de la peur de mourir, parce que je me dis si je meurs, on est loin de, enfin, on est loin de là où on était, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Si là maintenant, je vous dis, bah, on meurt maintenant, on commence à notre dernière save, il n'y a pas de save, enfin, vous allez dire oui, c'est comme un jeu normal, oui, mais dans un sens, oui. Oh frérot. Oh frérot, on voit les pieds qui dépassent déjà toi. Approche. Ne fais ne serait-ce qu'un pas vers moi. T'ai déjà dit que j'étais très peureux. Sûrement.
On se casse. Alors, la mort n'est qu'un commencement. Putain, le nombre de toiles d'araignée. On va croiser une putain d'araignée, je vous jure, je vais flipper. Hein. La mort est la véritable essence de la plénitude. Ah, frérot, c'est sûr qu'avec ton truc de mort là. Attendez, faut qu'on mette la carte. Vous savez pourquoi la carte? Parce qu'il faut qu'on voit la forme de la pièce. Ok, c'est bon, on peut se planquer. It's safe, les amis, planquons-nous. Ok, donc là, vous voyez, il y a des trucs noirs qui mènent jusqu'au. Voilà, jusqu'à là. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va déclencher ces pics, qui peut nous tuer si on ne bouge plus. Heureusement, apparemment, les pics s'arrêtent là. Ce qui rend la menace. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort. Ah ouais, mais moi du coup, il n'y a plus de place. La mort et la réponse. Bah, le jeu n'est pas un jeu où il faut crever, je pense. Je pense que du coup, la mort n'est pas la solution. De ce fait, je pense que ce qui est écrit, c'est de la merde. La porte est fermée néanmoins. Par contre, la clé, je la sens plutôt bien. Combinée. Voilà, on pouvait combiner les plantes dans l'autre. Donc, ouais, bah on peut ici aussi, c'est nickel. Donc, on peut prendre ça. Ok, on se casse sur le coup. Bah t'es un fils de pute hein. Ça fait que 35 minutes. On doit claquer notre première mort. GG à tous. Putain, mais les murs qui se ferment, quoi, s'il te plaît, j'avais une solution parfaite. C'est-à-dire qu'on peut pas la prendre, la clé. Et une énigme, on va y retourner. Surmontez vos peurs pour survivre. Ouais, 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 frérot. C'est ça, c'est ça. J'avais la carte, c'est ça? Ouais, j'avais la grande carte, ok. Après, j'avais croisé aucun zombie, ça avait été. Donc, on va refaire le même trajet. Cahier, on peut avec ces deux. On peut accéder au cahier. En plus, c'était écrit, donc moi je pensais qu'on pouvait la reposer après, vous savez, quand on l'avait déclenché. Ses beautés. Appelez mesdames et messieurs, on a toutes les plantes avec nous. En tout cas, très heureux d'écouter Barry et de me restreindre au rez-de-chaussée. En tout cas, ça fait toujours plaisir.
Techniquement, chers amis, le niquer. Hein. Il y a une énigme, il faut réfléchir. Alors, il y a une inscription sur le bouclier. La mort n'est qu'un commencement. En vrai, si je me fiais premier degré à ce qui était écrit, je pourrais vous dire que le fait qu'on soit mort, bah, ça va déloquer un truc, quoi. Peut-être dans les murs. Ouais, non. Et là, j'avais même pas fait attention, vous voyez, il y a des rainures également au sol ici. Qui aurait dû, si j'avais été intelligent, me dire que la mort est la réponse. Oui, si j'avais été intelligent. Ouais. Et là. Problème d'un casque. Je ne peux dire qu'en vrai ça se trouve. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté? Non, on sait pas. Ça se trouve, derrière, il y a le. Il y a un mécanisme peut-être pour ralentir le bouclier. Qui fait qu'actuellement, ben, on est bien, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que là, les murs, ils se ferment forcément. Il n'y a pas d'interrupteur ou quoi. Ici non plus. Et là, il y a que le mort et l'établissement de la plénitude. Parce que là, on est mort. Donc, techniquement, c'est le véritable commencement, mais... C'est quoi, le truc? C'est-à-dire qu'on devrait courir pour aller là? Non, ça suffit pas. Je tirerais pas dessus non plus, pas gaspiller une balle, mais ce serait pas con. Est-ce que peut-être, si on était intelligent, on pourrait retirer le bouclier? Peut-être tout simplement le pousser en vrai, non? Enfin, j'ai pas envie de retenter de recrever là. L'emblème d'un casque. C'est clair, on a quand même une clé qui a l'air importante. Et par contre, j'aurais pas compris moi-même que les murs seraient tractés comme ça, quoi. Ok, on va être bloqué déjà dans la première énigme qu'on croise. Ça me met toujours très bien, ça. Ça se trouve simplement le pousser, vous voyez, comme ça, on pousse. Là, si on prend la clé... Alors, en fait, j'ai pas envie de vous faire un die and retry et de recrever encore une fois. Mais je me dis que c'est peut-être une solution. Hein. De toute façon, regardez. Là, il n'y a pas de... Ce truc caché. La mort est la source de la plénitude. C'est-à-dire qu'on peut pas. Dans tous les cas, elle est par là. Dans tous les cas, ce qu'il faut interrompre, c'est ça. Pour aller juste là. Justement. Hmm. On tente de le pousser. Je gride, hein. On va tenter de pousser les murs vite fait, mais ça m'étonnerait que ça fasse quelque chose. Ok, et ça? Ok, et si je tire dessus? Non, recherche pas. Ok. Putain, non. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le faire avant. Est-ce qu'on n'irait pas chercher peut-être la clé du casque, peut-être? Pour essayer de passer derrière, voir si peut-être derrière, il y a la fameuse solution peut-être. On va peut-être partir là-dessus, ça me semble pas être une idée qui déconne trop. Ah non mais monsieur... Vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais... Mais tais-toi. Bon. Ok. Ça
façon, même chose. Hein. On va juste prendre les plantes. Trouver le zombie et le buter dans celle d'avant. Je pense qu'on ne voit pas forcément celle-là. Je pense vraiment que la clé du casque, elle nous carriera par ici. Est-ce que j'ai perdu 8 balles ou pas? Non, pas du tout. J'ai juste bien rechargé mon flingue, quoi. De toute façon, on a pas mal de plantes. Je pense que ça vaut à la limite le coup de d'aller chercher les zombies. Hein. Qui doit être par là, là. On va juste. Prends ça, reprends l'autre. On va juste ne pas les combiner. Ça, au cas où, si les zombies qu'on ira chercher, bah, il nous fait un peu mal, on aura la plante, quoi. On va juste aller checker la porte, elle doit toujours être fermée. Ok, le casque. Moi je colle du coup que le casque permettra d'aller derrière peut-être et de stopper le mécanisme du bouclier. Voilà, bon c'est un petit colle à la con mais j'y crois. J'y crois moi-même quoi. Attends un peu voir si le sang. Enfin si le sang il coule, mais. Je l'ai vu. Mais je dois sonner un autre. Ok, il n'y a pas d'autre. Ok, il n'y a pas d'autre. Depuis l'autre côté, ça marche. J'ai confiance. Les plantes sont pas combinées. Hop. Tac. Il me semble qu'il fallait analyser ce truc-là. Hein. De toute façon, tous les trucs un peu mythiques, on va les analyser, moi je vous le dis. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. La pointe est en périot, aussi appelée émeraude du pauvre. Voilà! Non, on a prise 23. Oh, ça se met bien. Tableau, tableau, tableau. Non, pas le tableau. Ok, pas le tableau. Attends, il me faut une carte là. Ah oui, c'est les escaliers pour aller en haut. Ok. La porte elle est fermée ici. Ok aussi. Toi tu me dis complètement. Je vais déverrouiller une porte.
T'es prévisible. C'est malherbe. L'emblème d'une épée est gravé sur la série, mesdames et messieurs. Oh, il y a une jolie émeraude par là. On n'a plus de place dans l'inventaire. J'aurais bien pris l'émeraude en vrai. Ça se pousse, ça, non? Bien sûr que ça se pousse. Là, ça nous ramène dans le hall d'entrée. Alors, ça se pousse. Mais ok, le trou il est là. Parce que je me disais, le trou est pas au même endroit. Donc ça se pousse, mais de l'autre côté. Heureusement qu'on n'est pas dans Alien. Ok, donc l'autre porte de toute façon était fermée en fait. Très clairement. Alors par contre, j'ai encore un truc à fouiller ici, me dit-il. Ça peut être simplement la porte aussi, même celle-là. Je pense qu'elle doit être forcément ouverte puisqu'elle mène, mes amis, dans le hall principal. Les portes sont fermées à ce niveau-là. Ouais. Et que la porte là-bas, là, qui est en bas, qui est ouverte. Celle-là, là. Ouais. Ok, les amis. Le truc, c'est que. Bah, vous savez que Resident Evil est connu pour ses petits coffres, ses petites valises. Là, la première save, il n'y a pas ces petites valises dont on a besoin. Pourtant, j'en aurais bien eu besoin dès maintenant, quoi. Avec cette petite pierre brillante là. Ce n'est pas un ça? Ah non, mais c'est le socle. J'ai pas une valise quelque part là. Ah non, j'ai que ça. Petite save. En fait là on peut. Enfin on peut voir. Enfin en fait ça me fait chier de sauvegarder parce que. Je me dis sur la fin du jeu. Je vais checker vite fait la durée de vie du jeu. Voir combien de sauvegardes je peux me permettre de faire à peu près. En essayant d'être à peu près strat, vous voyez. Durée. Resident Evil 1. Et là. Quelle est la durée de vie estimée pour un nouveau sur ce jeu qui le découvre sur PS4 qui galère un peu? 6 heures, 8 heures. En vrai, on va claquer une save. Je pense qu'ils viennent clairement de nous dire, oh, c'est bon les gars. Vous pouvez sauvegarder. C'est cool, c'est cool. Ça vaut les, la. La save est bonne. Je pense qu'on avance une demi-heure et puis on coupera pour Pokémon Réunion après.
C'est quoi cette merde là? J'ai plus de place. Je crois qu'il faut aller là. Oh, cet angle de vue de merde. Bah, mais là? Mais... On a une flèche sur nous, frérot! Ah, utiliser. Pardon, excuse-moi. J'ai troll. Alors, je me souviens ce qu'il y a en dessous parce que. Ça m'a marqué quand on l'avait vu, je trouvais ça complètement con. Et que je crois que je l'ai mis sur TikTok en plus, donc je l'ai vu il y a pas très longtemps. Dans mes propres TikTok, oui, tout à fait. Mais voilà. Donc là, il y avait le masque qui ne voit pas. Les trous à la place des yeux. Le mâle qui ne. Qui ne fait rien. Le mâle qui ne sent pas et le mâle qui ne parle pas. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, les amis, instant lecture. Les quatre masques. Un masque qui ne parle pas du mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit pas le mal. Un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Voilà, donc là j'avais trouvé assez un peu débile que le principe du jeu soit de trouver des masques pour réveiller le mal, alors que nous le but est de ne pas libérer le mal peut-être. Et voilà. Du coup on est full avec la clé. Bah oui. On s'est quand même bien fait niquer. Pourquoi j'ai un vieux couteau de merde quoi? Je peux le combiner mon couteau? C'est un couteau quoi. Ah oui, c'est mon couteau quoi. On avait trouvé des munitions de fusil la dernière fois dans le parc. On va rentrer. Je me sens plus. Enfin, je me sens plus safe dans le parc. Hein. À affronter le serpent géant, frérot, là. On a vu dans la bande-annonce. En vrai, blague à part, serpent géant, je me sens pas très serein. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas fouillé? Un tas de trucs si j'en crois la carte, mais... Et des salles, je les comprends pas. Après j'ai des clés. Ah oui, go tester des trucs. Hein. Go tester quelques salles par là. C'est la salle à manger ça, non? Go tester quelques salles dans la salle à manger les amis.
C'est celui qu'on a buté. Rien de grave, les amis. Là, on a le symbole de l'armure et... Bah voilà! Par contre, dans tout truc d'horreur, faut éviter d'ouvrir les portes de cave. J'ai stressé! C'est quoi ce bruit là? Non, les amis, c'est pas un bon bruit là. Non, attendez, puis tu me dis pas qu'il y a des araignées dans ce jeu là. Hein. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ouais, fais-moi croire qu'il va rien se passer, ouais. J'ai pas d'avancée là actuellement. Pas ouvrir ça. Des épices que vous ne connaissez pas. Dans le bout de la porte me fait sursauter. Mais quand qu'on passe sur Pokémon, rappelez-moi, dans une demi-heure. Ah ouais. Il y a des bruits suspects quand même dans le jeu, hein. On va se faire attaquer par un putain de truc, je vous dis, on est pas prêt. Allez, on assume. 1, 2, 3. Ok, donc. En gros. Je viens de souffler là, j'en panique. Hein. Mon cœur, il est à 30 000 à l'heure pour un putain de jeu qui se passe à rien. Et c'est de la peur psychologique, je redoute les screamers plus que les screamers eux-mêmes en fait. Ce qui fait qu'avec moi. Ben, on va pas trop avancer en fait. Vous m'en voulez pas trop, ça va? En fait, ce que je veux dire, c'est que ma façon de jouer à moi est pas forcément très optimale. Donc là, en gros, on a un ascenseur qui peut nous amener tout en bas, qui peut s'arrêter juste avant la cave, et qui peut, je suppose, monter. Alors, je suppose que le boss final, c'est le boss qu'on a vu dans la tombe. Mais là, on aura quand même un sacré truc... Par ici, quoi. Mais ça me va. Okay. C'est juste dégueulasse. C'est fine. Pourquoi on... Il y a une porte qui est fermée, je vous le rappelle. Hein. J'ai flippé ma race, frérot! Avec leur vision à deux balles toute floue là. Enfin, c'est pas permis ça, frérot. Y'a des règles pour ça, hein. Y'a vraiment des règles dans le milieu du screamer, hein. Oui, enfin, si une balle de loin suffisait à tuer un zombie. Headshot. Mais j'ai eu peur pour ça, c'est horrible. Non, mais dans les jeux c'est pire. Vous savez pourquoi on a plus, enfin j'ai plus peur dans moi, titre personnel, j'ai plus peur dans les jeux que dans les films. Les films ça avance tout seul, d'accord. Vous allez avoir un truc qui fait peur, je vais vous y attendre, mais vous pouvez pas vous empêcher. Là faut avancer de soi-même. Moi j'ai du mal à avancer de moi-même, frérot. Pas que j'assume pas de jouer à Resident Evil, mais j'assume clairement pas quoi.
Mais bon, ça me manque les petites saves automatiques des jeux vidéo. Vous savez, les petites saves où on vous dit oh, bon, écoutez, il suffit de. C'est quoi cette merde? Ah, mais c'est le corbeau, il a envie. C'est ça? On peut réduire à 1h15? Vous le prendrez pas mal? Pensez au best-of pour que le best-of soit court. Hein. Ta gueule, il y avait un mec avant ici. Je vois le corbeau. Il y a moyen de le buter. Il m'avait rien fait, c'était juste du bordel. Je l'ai su dès que j'ai appuyé que c'était une merde. Hein. Dès que j'ai vu que j'en avais buté un autre. En fait, j'en avais vu qu'un. Et dès que j'ai appuyé pour le buter, j'ai immédiatement vu que j'en avais buté un autre et je me dis, bah c'est finito. Attention ma vie, hein. Alors attention. Je peux avoir un allié avec moi s'il vous plaît? Cherchez mon cristal. Je suis à côté. C'est pas permis, hein. Moi je vous le dis. Y a rien à l'intérieur. Ok, non, c'est juste une pierre. Admettons. Il y a quand même beaucoup de corbeaux. Il y avait un mec qui a disparu. Quand je dis, on m'a troll. Hein. Il y a vraiment un mec qui était allongé par terre, qu'on avait croisé au début, qui a disparu de là où il était. Et après, on va me dire, mais t'inquiète, c'est normal. Énormément quoi. Il y avait un mec ici, j'ai tellement peur. Faut qu'on affiche aussi parce qu'on a vu d'autres mecs ailleurs. On a vu un mec allongé en haut. Donc on va arriver, techniquement il voudra nous buter. On a vu un mec allongé aussi dans la cuisine. Dans l'ascenseur, qui voudra également sûrement nous buter. En plus, pour le coup, on a pas mal avancé. En vrai, j'ai envie de faire save et petite fin de stream, non? Venez la prochaine fois, on assume un peu plus, mais on assume, quoi.
On est bien, en vrai, on est bien, les amis. Hein. Vous savez, franchement, on est bien, on est bien. Moi, je dis, faites-moi confiance. On claque une save, on recoupe le stream ici, et on est bon pour Pokémon. Hein. Faites-moi confiance. Les amis, de mon côté, ce n'est pas assumé, mais je peux pas me dire que j'ai peur de ce qui va se passer et que actuellement on jouera. De toute façon, le jeu n'est pas terminé. Je rappelle que le jeu est prévu pour être sur la chaîne principale en best-of. Évidemment, il continuera peut-être un petit coup demain, si je stream demain. On verra. Je serai peut-être plutôt chaud à le stream le dimanche. Mais ouais, demain, peut-être un peu autre chose. On verra comment on fait ça demain. Mais les amis, ouais, du coup, on fait une petite pause et on se retrouve sur Pokémon. Hein, c'est bien aussi Pokémon, vous savez. Je vois, franchement, pour de vrai, là, pour de vrai, j'assume pas du tout ce qui se passe, hein, d'avancer. Hein. Pas vous mytho, j'assume pas d'avancer. On n'est pas trop dégueulasse dans ce qui se passe là. On a pas mal de missions, il nous reste 3 rubans encreurs, mais on en aura plein quand on trouvera les mâles, je vous rappelle. Mais je vous jure, on avance. On avance. On avancera. On avancera dimanche. Le dimanche, on fera ça et Pokémon maintenant. Voilà, voilà un peu l'ordre. Du coup, les amis, on se retrouve dimanche sur Resident Evil. On se retrouve tout de suite, surtout sur Pokémon Réunion, qui fera un peu moins peur. Je vous le concède, mais c'est le but, parce que là, je commence déjà à me dire que j'arrête un peu mon truc. Vous avez bien mon chapeau? Vous avez quand même apprécié mon chapeau, j'espère. Mais ouais, là, pour le coup, je dois avouer une chose, c'est que j'ai pas du tout envie de crever. J'ai pas non plus envie de faire de la merde. Donc le mieux c'est de pas trop persévérer dans Resident Evil. Hein. On a fait 1h15, ça servira de bon best-of d'entrée. Mais faut savoir un peu d'humour quoi. Donc du coup les amis, on se retrouve dimanche sur Resident Evil et à tout de suite pour Pokémon Réunion bien évidemment les amis. Et à tout de suite tout le monde, reposez-vous bien. Kept inside so long, I've lost sight of right and wrong. When you left an open door, I couldn't help but explore. So I took off with no plan, thinking I could find a friend. Saying hi and shaking hands, I hope this moment never ends. It feels so cold out on the road and on my own, waking up, no strings attached, no looking back from ocean waves to desert skies and summer nights. I know and floating on the breeze. I've got no doors, I need no keys. Another world to be seen. It feels so good out on the road and on my own. Waking up, no strings attached, no looking back from ocean waves to desert skies and summer nights. I know.
Christmas.